Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux as. As pour attitude à succès. Mon invité aujourd'hui, un as de cœur, Madame Audriane Girardin, notaire. Bonjour, bonjour Audriane, comment ça va? Ça va très bien. toi? Oui, je suis contente de te recevoir aujourd'hui puis euh, qu'on ait cette chance-là de se connaître un peu plus. Mais ben oui, quand même. Alors, tu es un as de cœur, puis le groupe des as de cœur en fait... C on a tous été choisis. On a été choisis parce que c'est des gens qui ont, c'est des professionnels qui ont l'humain au cœur de leur, de leur entreprise, dans leur entreprise, de leur service, de leur profession. Alors toi, tu es notaire. Oui. Alors en quoi, comment, tu, comme notaire, tu mets l'humain Comment, comment tu fais pour mettre l'humain au au centre de tes préoccupations. C'est sûr que c'est une priorité parce qu'on rencontre des clients, on rencontre des humains en premier. Hein? C'est pas juste des, des cas juridiques, c'est pas juste des, des dossiers, c'est pas des numéros. Euh, donc, ce qui est important pour moi, c'est de prendre le temps de connaître la personne qui est devant moi. Euh, puis, ça me sert beaucoup aussi dans la production de mes documents euh, de discuter avec ces personnes-là, d'apprendre à les, à les connaître, de savoir quelle est leur situation personnelle, euh, ce qu'ils Aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui, les, euh, ce qui les intéresse, ce qui les motive, euh, ça nous permet de, de bien découvrir euh, leur. Euh leur patrimoine, de bien découvrir leur histoire pour pouvoir euh, rédiger des documents qui sont à leur image parce que c'est pas des formulaires qu'on remplit, euh, c'est vraiment euh, des actes qui correspondent là à la personnalité de, de nos clients. Donc euh, c'est essentiel là, de d'apprendre à les connaître euh, comme ils sont pour euh, pouvoir euh, répondre à leurs euh, à leurs questions. Fait que c'est c'est l'humain qui est important et non juste le, le juridique puis l'écrit comme tel en bout de ligne. En tant que notaire, euh, là, tu as parlé de... de... Qu'est-ce que, toi, tu faisais comme profession? T'es seule ou tu fais partie d'un bureau? Comment ça fonctionne? En fait, je suis, je suis seule, Audrey-Anne Girardin, notaire, mais j'ai la chance de travailler dans, dans un bureau où est-ce qu'il y a d'autres professionnels. Donc, on n'est pas dans la même entreprise, mais on, on se côtoie, là, à tous les jours. Donc, j'ai la chance d'avoir, euh, Maître Anne-Marie Saint-Louis, euh, notaire, qui travaille avec moi, Maître Simon Verville, avocat. Puis, il y a également le Maître Geneviève Marchand, euh, euh, qui est dans le même édifice que moi. Donc, on est, on est plusieurs juristes là, euh, euh, dans cet édifice-là. Ça fait en sorte qu'on édifice pas. vous êtes? On est sur le euh, boulevard Bois-Franc-Nord, le 268 boulevard Bois-Franc-Nord. Donc, euh, euh, anciennement, c'était les bureaux là, de Maître Caron qui était là. Oui, Donc, okay. c'est un, un bureau qui a quand même une belle historique là, au oui, niveau juridique. Oui, qui a été fraîchement repeint. Oui, tout Donne, refait. Tout, tout refait, tout magnifique. Oui. OK. Là, on a parlé de ton entreprise. C'est le fun, beau bureau, belle profession, euh, mais la personne, toi. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir notaire Ah, c'est un parcours un petit peu euh, particulier parce que j'ai j'ai étudié en sciences nature au Cégep, je voulais devenir médecin et légiste. Donc euh, je voulais euh, travailler pour euh, découvrir euh, l'enquête le, euh, au niveau euh, médical, c'est ce qui m'intéressait. Euh, puis ensuite de ça, quand je suis rentrée en droit, euh, c'était parce que je voulais devenir coroner. Donc on reste dans ce, ce, ce niveau-là. Puis euh, en faisant mon, euh, mon diplôme de droit notarial, là, après mon baccalauréat en droit, euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'affinités pour le droit corporatif. Euh, au niveau académique, j'aimais beaucoup le droit corporatif. Donc euh, ça, ça a changé du tout au tout oui. là en l'espace de, de quatre ans. Et puis en faisant mon, mon stage ici, la Victoriaville, en, en Notaria. Euh, j'ai beaucoup apprécié le contact avec la clientèle vivante. <laughs> Et puis, aussi, euh, euh, je trouvais que c'était plus humain, justement. Hein, ça venait me chercher de rencontrer des clients, euh, d'apprendre leur histoire, euh, peut-être une relation d'aide aussi avec les successions. Fait que j'ai tout le temps que je travaille maintenant avec les morts, mais je les côtoie pas nécessairement. Je vais côtoyer les descendants, ceux qui restent. Fait que es dans l'enquête, mais pas aux mêmes raisons. Non, pas tout à fait. <rire> <rire> fait que là, toi, t'as as des enfants. Oui. T'es en couple, là, puis t'as des enfants. Un, deux, trois? J'ai deux, deux petits amours. <laughs> ben, ils sont plus si petits que ça, là, mais j'en ai deux, oui. est gentil. Euh, Mon garçon, il a six ans, puis ma grande-fille a huit ans. Hmm. Là, durant le temps que t'as fait ton parcours, parce que tu es une jeune femme... Ça fait combien de temps que tu es notaire? Ça va faire 10 ans en mars prochain que, que j'ai été assermentée. Dix ouais. ans d'expérience, quand même, c'est pas rien. Selon toi, pour faire ton métier, là, je parle du métier, c'est quoi l'attitude à succès qui, qui, euh, qui aiderait ça, qui fait que, ça, que tu réussis bien? Euh, ça prend de la passion pour ce qu'on fait. Euh, parce qu'on est dans un domaine qui est quand même compétitif euh, euh, au niveau des prix. Hein. J'ai oh, un ouais. client qui me disait hier, je ne savais pas qu'on pouvait magasiner son notaire. Fait il faut, faut réussir à se démarquer par notre passion, par euh, notre écoute. Euh, je pensais que les prix, moi, pour un notaire, c'était comme... Régler d'une façon euh, gouvernementale ou régie par l'ordre ou. Euh... Non, absolument pas. On non. est on, dans la libre, la libre concurrence. Oh, oui. Donc, c'est pas toujours évident là, dans certains domaines. Je pense particulièrement à l'immobilier. Euh, c'est plus difficile là, pour, pour certains notaires. Là. Euh, ce qui est un sujet quand même délicat où est-ce qu'il y a beaucoup de débats là, dans la profession là, actuellement? Donc, il faut être passionné, il faut réussir à se démarquer. Puis, je pense qu'on se démarque en, en, en donnant un service à nos clients, en étant présent, puis en étant accessible, là aussi. Là, moi, c'est ma, ma marque de commerce, si je peux dire ça comme ça. Là. OK. Puis toi, comme personne, pour pouvoir... Euh, je comprends qu'on ne peut pas tellement dissocier les deux, là. Tu as, t as, t as la, la notaire qui fait son métier, puis tu as la femme que tu es. Mais il y a quand même un chemin, là, qui, qui s'est fait en... Depuis, parce que tu as 10 d'expérience, tu as quand même presque une dizaine d'années d'études qui, euh, qui, avant de devenir de assermenté et de faire tout. Euh, donc, <coughs> tout le, ce parcours-là, toi, c'est quoi l'attitude à succès qui te qualifierait? Euh, ça a été de de ne ben il fallait pas que je me mette des barrières hein, dans, dans ce que je ce que je voulais faire ce que j'ai fait souvent hein, parce que tu sais, j'aurais pu me rendre où est-ce que je suis rendu là euh, plusieurs années avant mais je me, je me limitais peut-être même des fois fait que pas une attitude de succès l'attitude de succès faisait, tu ben je me dis oh, mon dieu est-ce que j je suis capable de faire ça est-ce que j'ai assez confiance en moi pour euh, pour y arriver. Euh, donc, c'était euh, une limite que je me mettais moi-même. Okay. Fait qu'à partir du moment où je me suis dit, eh non, je suis capable, Audrey-Anne Girardin, elle est capable de faire ça, euh, j'ai gravi, euh, 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 de <laughs> ouais, gravi des échelons dans mon estime de moi. Fait que c'est moi-même qui me les a mis, ces échelons. J'ai gravi des échelons dans mon estime de moi-même. Oui. Ouais, non, mais ça, c'est bi bien. Je trouve que c'est une belle façon d'apporter ça. On n'est pas obligé d'arriver en partant avec 100% confiance en nous. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut construire avec notre parcours de vie, notre expérience. Ben, ben, il a fallu que je le fasse aussi. Puis, tu sais, c'est toutes des, des petites étapes. J'ai eu un défi euh, euh, il y a quatre ans quand on m'a proposé une charge de cours à l'université. Donc, je me suis ça? dit, oui, j'enseigne à euh, la maîtrise en droit notarial. Là. Ça va être euh, ma, ma quatrième, ma quatrième la année. La maîtrise en plus. Oui, bien, c'est le, le parcours du notaire. Dans le fond, j'enseigne okay. au futur notaire. Okay. Euh, donc, euh, ça a été une, une expérience. Au début, je me suis dit, hey, est-ce que je vais être capable de faire ça, moi qui est plus, euh, plus Réservé, plus euh, retiré quand on est en groupe. Là. Euh, donc, euh, mais ça, ça semble bien aller. C'est sûr que c'est un... Euh, c'est la quatrième apathie. année que tu fais ça aussi. Oui, exactement. Waouh. Fait que un, un beau défi. Fait que ça, ça m'a donné confiance en moi. À quel, à quel endroit tu enseignes? À l'université de Sherbrooke. Sherbrooke. Oui. Wow! Vois-tu, ça, c'est une petite cachette que tu m'avais faite. Je ne savais pas que tu enseignais. Bah, ben c'est euh, ah, le fun. Hein, de découvrir quelqu'un. <laughs> <laughs> la face cachée d'Andréa. Oui, exactement. Alors, euh, on va revenir à notre attitude à succès. Oui, <laughs> oui. Est-ce que je t'ai coupé la parole? Bien, c'est de, de foncer. C'est ce qui m'a... J'ai réalisé ça, surtout cet été, là, en me, me partant en affaires, parce que c'est tout récent, de, de foncer, de ne pas avoir peur. C'est inquiétant, c'est insécurisant. C'est comme si on se lance dans le vide, mais euh, il faut y aller à hein, un moment donné. Puis c'est ça que j'ai commencé à faire. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer cet été? Euh, C'était pour aller en avant, pour être honnête avec moi-même. J'avais besoin euh, que de pouvoir rencontrer des clients, de prendre le temps avec eux, pas avoir de pression, pas avoir de compte à rendre à, à, à des patrons, par exemple. Euh, puis c'était vraiment le seul qui était important pour moi, de pouvoir prendre le temps avec, euh, avec mon monde. Avec les personnes qui, euh, qui viennent me voir, qui me font confiance, euh, je trouve que c'est ce qui me rend, euh, c'est ce qui me rend heureuse, puis pouvoir me développer là, euh, me développer là-dedans là aussi. Fait que ça, ça m'a appris plein de choses là. Depuis juin, là, j'apprends, j'apprends, je continue à apprendre. C'est toute une partie l'administration de l'entreprise, euh, la gestion, euh, la question des ressources humaines là. Euh, c'est c'est tout qu'un nouveau monde pour moi là. Puis comment, tu te, comment, tu te, comment ça se place pour toi, tous les ressources humaines, la gestion, qui sont... C comme Oui, c'est un nouveau monde, c'est comme deux, deux entités. Hein? Quand on, on choisit un métier, euh, c'est la problématique de la plupart. On est spécialiste dans un domaine, que ce soit le, le, le droit notarial, un garagiste, un médecin. Tu te spécialises, spécialises dans ce que tu aimes mais pas dans le, la gestion mais là. pas dans la gestion moi tu si sais, j'étais décoratrice puis j'aimais beaucoup la décoration la gestion là euh, tu sais moi je l'ai pas vu venir c'est le principe des ressources humaines l'inventaire euh, les fins de mois le government <rire> <rire> je trouvais qu'il en demandait beaucoup fait que euh, là, tu deviens comme c'est comme une autre formation au complet, là. Oui, effectivement. C'est que c'est c'est déstabilisant. Faut s'entourer des des bonnes personnes, du bon comptable, d'un bon entourage, là. Donc avoir un, un réseau. Fait que moi, je, je l'avais déjà un petit peu. Euh, J'avais des personnes qui gravitaient autour de moi. Fait que j'étais chanceuse de pouvoir aller les euh, les chercher en me disant bon mais là j'ai mon comptable Fait que d'avoir le réseau ça m'a ça m'a aidé beaucoup mais j'en apprends à tous les jours euh, puis c'est sûr que c'est c'est difficile j'ai pas le temps de faire exactement tout ce que je veux là actuellement j'ai j'ai des clients que je veux continuer à servir fait que je travaille euh, puis que tu sais par exemple préparer mes modèles d'actes tout m'installer là je vais au fur et à mesure fait que là je fais un dossier ah bon mais là j'ai réussi à préparer mes modèles là ça va bien mais euh, c'est c'est vraiment euh, en progression, fait que, on est en début d'entreprise, fait que je me donne je me donne une chance aussi. Tu cette année la thématique de hommage aux arts s'est faite beaucoup sur l'entrepreneuriat parce que honnêtement on est en période de, de pandémie. Euh, on espère qu'on s'en va vers la fin de tout ça, mais il reste que depuis mars 2020 on a vécu une crise in incroyable et il y a des personnes qui décident de se partir en affaires. <laughs> Comment tu as vécu le partir en affaires versus la pandémie ou tout ce que ça a impliqué comme ben des justement c'est un des éléments qui m'a incité à me partir en affaires. ça fait particulier de dire ça comme ça mais quand j'étais à la maison avec les enfants à m'occuper des enfants parce que mon conjoint il est, il est gestionnaire de projet chez SaniMarque. fait qu'on peut se dire que on se voyait pas beaucoup pendant ce temps-là il non. travaillait beaucoup à l'usine oui il me fait du <laughs> oui c'est ça là, ils ont travaillé fort là-dessus après ça les produits de piscine sont embarqués mais euh, moi de mon côté euh, c'est sûr que j'ai réfléchi à mon avenir euh, avec les enfants à la maison ça m'a donné le temps de prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été comme ça aussi pendant la pandémie. Euh, puis le notariat, ben, ça a été un des domaines, c'est plate à dire, mais succession, planification testamentaire, ça a augmenté notre charge de travail au notaire là, partout au Québec. Là. Je ne suis pas l'exception à la règle. Fait que, il y a quand même eu une grosse demande. fait que le, Les dossiers, le travail, il y en a en -ce, ce moment. Qu'est-ce qui a occasionné la grosse demande? Parce ben, que tu, sais, tu fais ça quand tu es vivant. <laughs> oui, ben, justement, il y a eu des augmentations de décès, beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de décès. Ouais. Mais déjà, si on le voyait, là, la population est vieillissante, fait qu'on on en a de plus en plus, là, ça, et puis des, des, des homologations de mandats, de protection, tout ça, ça c'est là, là, on en a énormément de demandes. Mais les gens, ils ont été conscients, « et hey, s'il m'arrive quelque chose… » mon testament, mes papiers ne sont pas à jour. Qu'est-ce que je vais laisser à mes proches? Des problèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent planifier là, leur succession. C'est euh... quoi ça? Une homolog... un homologation d'un mandat. Bon, quand on a rédigé un mandat en cas d'inaptitude, okay. euh, ce qu'on appelle un mandat de protection, là, pour faire plus beau, euh, on doit, pour pouvoir l'utiliser, donc nos proches qu'on a nommés pour s'occuper de nous, si on, on devenait Alzheimer, par exemple, ben, on doit homologuer le Mandat. Donc, l'homologation, c'est un processus parce qu'on va avoir un médecin, un travailleur social qui vont faire une évaluation médicale, évaluation psychosociale, okay. qui vont confirmer que la personne est inapte. Puis en bout de ligne, on va obtenir une décision judiciaire euh, d'un juge, d'un greffier spécial, là, qui va déclarer la personne inapte le mandat homologué pour qu'on puisse l'utiliser. Ok. Fait que euh, si on signe un mandat chez le notaire, on pourra pas l'utiliser demain matin si on devient inapte. Il va falloir qu'on ait ce processus-là. Euh, donc j'ai beaucoup, comme je disais, de population vieillissante, des personnes qui ont des troubles cognitifs euh, en vieillissant. Bon, ben on se retrouve. Mais là, je te remercie tellement pour ce partage-là parce que souvent quand on parle de mandat d'inaptitude. C'est quelque chose qu'on. OK, ça, ça a l'air facile, le mandat d'inaptitude. Ouais. Mais on a aussi en même temps la peur que quelqu'un puisse utiliser ça quand, qu il, quand il a décidé que ce qu'on fait, ça t'sais, il n'est pas d'accord avec nos décisions, puis qu'il va prendre. Lui, va décider comment ça marche. Oui. Mais euh, ça se fait pas de même, là. Non, c'est ça. On est, c est un un process... protégé. Là. Oui, oui, puis c'est un processus qui est très, très rigoureux, euh, ce qui occasionne quand même beaucoup de de mécontentement chez certaines personnes qui voudraient que ça soit plus simple hein, parce ouais. qu'on est obligé d'aviser la personne il y a un huissier oui. qui est impliqué fait que ça pour certaines personnes qui disent mais voyons on, on le sait la maman de l'Alzheimer depuis euh, cinq ans elle peut plus prendre de décision. Euh, on, tout le monde va bien tout le monde est d'accord dans la famille pour qu'on ait ce processus là fait que ça les choque là, quand on est obligé de faire affaire avec euh, un notaire pour homologuer le mandat c'est plus compliqué ils trouvent ça long comme processus mais pour Bien, ça peut être long. On a les évaluations médicales, psychosociales qui prennent un certain temps. On a des délais à respecter au niveau euh, juridique. Euh, donc, oui, ça peut prendre, de, à partir du moment où on a les évaluations, là, ça peut prendre un deux mois. Là, euh, fait que il faut, faut vraiment s'atteler. parce que, que ça peut être long? Puis le temps des évaluations, si on y va au public, là, euh, ils sont submergés. Fait qu'ils vont par de priorités. Que... En même temps, les évaluations devraient être comme pas mal faites. Quand tu es rendu que tu te demandes ça, c'est tu sais que quelque part, il euh, y a quelqu'un qui a évalué que. Alzheimer est là, que, que la démence est là. Que... Bien, au niveau médical, c'est quand même assez rapide. Là. Mm -hmm. euh, le psychosocial, par contre, c'est une évaluation bien spécifique. faut okay. qu'il y regarder le, le travailleur social, un travail à faire qui, euh, qui prend du temps parce qu'il doit bien, bien questionner puis s'assurer que la personne elle, va être bien protégée aussi, qu'il n'y ait pas de, justement des personnes mal intentionnées qui, euh, qui l'entourent puis qui veulent en profiter. Fait on, on laisse le travailleur social prendre le temps de bien faire son travail dans ce dossier. Ben, moi, je trouve ça sécurisant, personnellement. Là. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup, puis ce qu'on partage avec les gens à la maison, c'est ce partage d'informations-là. Comment ça peut être simple de parler à son auteur? Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on va dans des, dans des subtilités, puis dans des affaires qui ne sont pas. Préparer sa mort, c'est malaisant, là, on va se le oui. dire. Puis préparer la succession, c'est malaisant aussi. Parce que ça t'oblige à faire des choix, puis à... tu sais, des fois t'as l'impression que parce que tu vas donner après ta mort, puis quand tu vas l'écrire, c'est comme si t'étais obligé de le donner tout de suite. Oui, bien, il y a plusieurs personnes qui disent, ben moi, je vais réserver ça. Mais non, c'est vivez, continuer de vivre. Puis ouais. l'objectif, quand qu on, on fait la planification, euh, tu sais, on ne met pas nécessairement des montants parce qu'on va prévoir que cette personne-là, bien, elle va continuer à vivre. Elle va en profiter de ce qu'elle a gagné toute sa vie. Bien, oui. Euh, fait que on va on, on vraiment planifier là, en fonction de, du patrimoine de la personne qu'on a avec nous, puis de ses volontés, puis de son plan de, de, de vie aussi. là. Fait que c'est pour ça qu'on prend le temps d'économiser. L'humain est important. C'est important justement de discuter avec eux, euh, d'apprendre à les connaître. S'il y en a un qui a un problème avec un de leurs enfants, euh, ben, on va s'assurer de protéger cet enfant-là aussi euh, quand le parent sera plus là. Euh, J'ai euh, des parents qui ont des, des jeunes enfants ou des jeunes adultes euh, qui ont des problèmes euh, au niveau euh, médical, des déficiences, euh, des handicaps. Donc, on va aller prendre le temps là, de bien les sécuriser quand vous serez plus là. Qu'est-ce qui va rester? On va s'assurer que vos enfants soient protégés aussi. Hein? Puis, est-ce que um, ça existe, parce que tu as le curateur public, là, maintenant, oui. mais au niveau des enfants qui sont différents, euh, y a-t-il des spécifications qui doivent être prises en, ch en charge? Moi, comment on fait pour les protéger, ces enfants-là? Au niveau de la gestion du patrimoine, pour pouvoir les. Euh, comment on fait ça? Ah, il y a plein de belles possibilités si on, on prend le temps de rencontrer son notaire. Il y a aussi le planificateur financier qui va pouvoir être impliqué là-dedans. Parce que, justement, pour ceux qui. Euh, les enfants qui vont être admissibles euh, euh, à à la solidarité sociale, qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Euh, donc, ces enfants-là, ils ont des, des beaux régimes là, qui peuvent s'appliquer à eux. Là. Je parle régime d'épargne et validité avec des cotisations euh, gouvernementales. fait qu'on peut jouer avec ça, avec les REER des parents. Il y a plein de belles possibilités. C'est une planification. Puis, tu sais, je ne travaille pas tout seul là-dedans. Justement, je parlais des conseillers financiers euh, avec lesquels là, on, peut, on peut collaborer là, pour faire une planification au niveau financier pour protéger ces enfants-là, parce que c'est souvent l'inquiétude des parents. Qu'est-ce qui va rester à mon enfant si je ne suis plus là pour le gâter, euh, euh, lui, lui décorer sa chambre quand il va être rendu en CHSLD, parce que c'est là que certains s'en vont euh, quand ils n'ont plus de proches qui peuvent s'occuper d'eux. Moi, je vais te dire, bien franchement, je ne suis pas inquiète de ce qui va rester. Je suis inquiète de ce qui comment ça va être géré. Ben, c'est ça. Une non. fois que je... <laughs> tu. Parce que là, c'est facile comme parent de dire Non, non, on se, euh, slack un peu, là. là, on va garder ça, on va mettre ça de côté. Euh, puis de s'assurer que tout est, est correct parce qu'une gestion monétaire, financière, oui. gouvernementale. Euh... Pas nécessairement parce qu'on peut le planifier pour que ce soit nos proches qui restent, qui vont le gérer pour le bénéfice de, de notre enfant. Si on a un, enfant, un autre enfant, par exemple, dans la fratrie, on peut aller chercher un frère, une sœur qui, qui connaît les besoins de son frère, sa sœur. Des fois, ça peut être notre comptable qui s'est occupé de nous depuis des années, qu'on sait, on a confiance en lui, en son jugement avec un autre membre de la famille. Donc, on, on réussit là, à trouver euh, des gens dans l'entourage. C'est pas nécessairement juste le gouvernement qui va gérer cet argent-là. Des fois. Ouais. Moi, je pensais plus à la gestion, tu sais, comme les, comme les plaques d'auto, de, de, mm -hmm. permis de conduire, assurance maladie. Euh, c'est plein d'éléments sur lesquels eux n'ont pas vraiment con, conscience que ben, ça demande des suivis, pas mm -hmm. le choix. fait que… puis c'est ça. Je n'ai pas l'argent la, qui me qui fait tant peur, qui m'inquiète tant que la gestion euh, du bien-être. Mm -hmm. Comme tel, sans tout dilapider d'une claque, là, parce que. Oui, c'est pour ça qu'on voit ouais. toujours avec l'entourage. Puis c'est pour ça que c'est important, justement, de prendre le temps de les connaître, ces clients-là. Euh, c'est pas juste une, une entrevue d'une demi-heure, 15 minutes, là. Hein, ça prend vraiment du temps à savoir bon, qui, qui vous entoure, êtes-vous proche de telle ou telle personne? Pour pouvoir laisser des gens qui vont entourer euh, nos proches puis qui vont pouvoir guider nos proches dans la gestion puis dans les, les décisions au décès. Dû à la pandémie, les gens ont-ils euh, plus prévoyants, tu penses, ou c'est ça, ça prend vraiment un mur, comme un choc épouvantable pour commencer puis là être pressé que tout soit réglé? Tu sais, quand j'apprends que j'ai le cancer, s'il m'en reste six mois, il faut que je règle. Bien, c'est souvent ça qu'on voit. C'est oh. un sentiment d'urgence chez les clients. Ils rentrent et hey, il faudrait que ça soit fait demain matin. Euh, alors qu'on on sait que ça fait trois ans qu'on en parle, qu'on devrait le faire, mais c'est là Puis on a décidé qu'on faisait, mais la pandémie ou pas, c'était souvent ça qui arrivait. Hein? Okay. Ils il venaient de perdre un proche, puis là, ils réalisaient qu'ils n'étaient pas protégés parce que leur proche, ben, ce qu'il leur a laissé, c'était problématique. Il y avait des papiers qui étaient pas réglés comme il faut. Euh, puis là, ben, là, le sentiment d'urgence était créé là parce qu'ils venaient d'être face à cette réalisation-là. Mais tu sais, c'est rare qu'on va avoir des clients qui vont arriver dans nos bureaux qui vont dire Hey, c'est pas urgent, prends ton temps. Ça l'arrive, mais c'est rare d'habitude. <laughs> On est vraiment plus dans la course qu'autre qu chose. Premièrement, je voudrais te dire que je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis euh, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ta profession, mais c'est un service que tu offres. C'est la femme qui offre ce service-là. Alors, euh, je trouve que c'est facile avec toi. J'aime ça. Ça n'a pas été compliqué de savoir, puis je ne me sens pas intimidée par la charge de droit ou euh, ouais. le poids juridique, si tu veux, du, euh, du service ou du travail qui est à faire. Ben, je ne suis pas très imposante non plus comme euh, personne. Je non. suis plus, comme je disais, en retrait. J'aime ça, écouter, prendre le temps d'être euh, euh, attentive à ce que les autres vont dire, leur réaction. Euh, C'est ce qui m'importe le plus. Là. Euh, tu sais, je pense que le principe d'écoute, il, il est important pour moi. Euh, tu sais, dans dans, dans ma vie en général, c'est essentiel. Aujourd'hui, je veux te remercier, puis euh, je veux rendre hommage à tes attitudes à succès. Ça veut dire euh, l'écoute, la patience, euh, le besoin de d'aider, parce que tu le dis, c'est comme j'aime être la personne qui va pouvoir aider, rassurer. Euh, J'adore ça. Je t'offre une plante, ok? C'est un... Euh, je vais venir. Un <laughs> Tilandia. C'est euh, Karen Beauchin de Fleurs et Trésors qui se joint à moi pour vous les offrir. Puis, euh, elle est déposée dans, une pierre, dans de la pierre, dans une tasse à espresso, fait que tu, <laughs> tu peux la gâter et te gâter. Ça vit qu'avec un peu d'humidité et ça va fleurir, cette histoire-là. Ah oui, ça fleurit. Celle-là, c'est une des rares qui va fleurir. Et euh, tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'eau et de l'amour. Je te demanderai de choisir une pierre. Mmh. On va prendre le bonheur. Ah, j'aime ça. Hein, le bonheur, c'est favorisé par la vie, par son sort. C'est la réussite et la prospérité. Oh, c'est bon? Mais oui. Mais ben, c'est tout ce que je te souhaite, ma chère. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Tu peux déposer la pierre ici. Alors, à tous les jours, si tu déposes tes gratitudes, bien, tu vas arroser ça de positif, mm -hmm. puis ça va fleurir. C'est incroyable. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Écoute, pour terminer, euh, j'aimerais savoir, tu euh, as-tu des objectifs que tu aimerais atteindre? T'es-tu donné des buts? Es euh... Est-ce que je me suis donné des buts? Mon but ultime, c'est d'être heureuse dans ce que je fais à tous les jours, d de continuer le matin euh, comme je vis présentement, d'avoir envie d'aller travailler. Euh, donc, c'est mon objectif, c'est de continuer à avoir envie d'aller travailler puis d'être heureuse. Merci d'avoir accepté de joindre l'équipe des As. Les As de cœur, c'est une équipe de gens qui ont mis l'humain c'est des entrepreneurs mmh. qui ont mis l'humain au centre de leur service. Puis vous pouvez. Euh, par l'agenda, par différentes façons, les rejoindre comme vous voulez. Puis ils sont là pour vous aider, vous entendre, vous écouter. Puis euh, on ne parle pas de bénévolat, on parle de gens qui sont qui ont vraiment à cœur votre bien-être. Merci, merci, merci beaucoup. Puis je te souhaite une très très belle continuité. Merci, ça m'a fait plaisir. À la maison, je vous souhaite une belle semaine. Puis à la semaine prochaine.